Hey, salut les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les vendredis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Overwatch. Et qu'est-ce que je tombe sur quoi? Vous voyez sur quoi on tombe aujourd'hui? Le mec qui tourne le plus vite possible au monde. Alors attendez, il n'y a pas la possibilité de faire un petit F5. What? Le mec... En fait, je crois que la partie, elle va... Par contre, je pense que vous allez avoir le tourni, les gars. Je pense que vous allez avoir le tourni parce qu'en fait, là, je viens juste de lancer l'Overwatch et... Pff, vous savez quoi? C'est pas possible. Ah mais non mais mec putain c'est pas possible quoi. Ah oui bah oui, attends tu fais du combien? 10-4. Comment il a fait pour mourir? Franchement je sais pas comment il a fait pour mourir. En tout cas par rapport à tout ce que vous m'avez dit au niveau des commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir que les CSGO Overwatch vous plaisent toujours autant. En tout cas moi ça me fait toujours un plaisir de continuer à en faire tous les vendredis. Et du coup comme vous avez pu me dire récemment, les CSGO Overwatch qui se feraient tous les jours, je pense pas que ça va être possible pour le moment puisque je continue à travailler à côté et pour faire un CSGO Overwatch j'ai... besoin d'avoir quand même un bon contenu derrière et c'est vrai que c'est pas facile mais là là en fait la dernière fois j'étais tombé sur le pire cheater mais ça va encore, ça va, il tournait pas de ouf mais lui il joue mais what, mais c'est quoi la carte, je comprends pas, le gars il a la tête sur le sol. Eh, dites moi dans les commentaires c'est quoi ce hack, j'ai l'impression que le mec il a fait une fusion de tous les hacks possibles et inimaginables, c'est quoi ce bordel. Ah là là mais non, en tout cas par rapport avec ce qui va se passer ce mois-ci, j'ai un gros projet que je vais monter en place. Et surtout quand la vidéo sortira, j'espère que vous me soutiendrez un max. J'ai jusqu'à la fin du mois pour le faire. Et j'espère que vous me soutiendrez un max, que vous mettrez un max de likes sur la vidéo et que vous partagerez surtout le plus possible. Je compte sur vous ma communauté, je compte sur vous les petits poulpes. Et honnêtement ça me ferait grave plaisir de pouvoir réussir au niveau de la vidéo. Je vous en dis pas plus, c'est un secret. Quand la vidéo va sortir il y aura un titre qui va peut-être vous dire mais attendez c'est quoi ça, c'est quoi ce titre. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Et j'y réfléchis, j'ai mis du temps, j'ai écrit le texte etc. Là je vous dis un petit peu de spoil je vous avoue. J'ai eu le temps d'écrire le texte etc. J'ai eu le temps Alors déjà d'une si vous pensez à un podcast, c'est pas un podcast, j'ai peut-être prévu d'en faire un jour sur quelque chose qui me concerne moi, ça on sait pas du tout, je sais pas, enfin moi je sais mais je vais pas vous le dire, ça sera un petit peu bête de vous le dire, en tout cas j'ai même pas besoin de commenter la game, de toute façon le gars c'est sûr je vais le report à fond et puis là vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de regarder la vidéo, pff, les gars, il vit sur le sol, il met un headshot à travers un mur, c'est incroyable, je suis jamais tombé sur un cheater comme ça en game et j'espère jamais tomber sur un mec comme ça parce que... Imaginez des ranks, par exemple le gars il est en train de faire une super game, il est à deux doigts de faire une win et tout, et il tombe sur un cheater pareil sur Dust 2, parce que honnêtement je crois que c'est la seule map, c'est sur la seule map où j'ai pu tomber sur des mecs pareils, enfin Dust 2 c'est la map du cheater ultime, et le pire dans tout ça, c'est que ses coéquipiers, là par exemple il fait du 18-4, ses coéquipiers le bannent pas, c'est ça que je comprends pas en fait, c'est quand vous avez un cheater comme ça pareil, mais bannez-le direct de votre équipe, je comprends pas. C'est dans votre tête, vous allez dire ah, MDR, c'est drôle, on va gagner parce qu'on a un cheater avec nous. Sauf que. Ah, vous allez pas en fait, vous allez pas gagner. Moi, je sais que récemment, en faisant une game, je suis tombé sur. Enfin, je suis tombé à ce qui paraît avec un cheater. Alors, ça, j'en savais rien du tout. Et j'ai reçu un message comme quoi toutes mes games que j'avais pu faire avaient été. Un petit. Je crois que ça avait été annulé parce que tout simplement, j'étais tombé avec un cheater. Et. Donc, ça vous servira à rien du tout. De faire une partie avec un cheater, surtout quand vous voyez le score. Là, on est en 7-4. Vous voyez le score, le 20-24. C'est tout à fait possible. Mais si vous voyez un mec tourner sur lui-même, mettre des headshots à travers des murs, qui joue à l'autonou pour faire plus de kills beaucoup plus facilement, ça sert à rien. En tout cas, enfin bon, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, faites comme vous voulez. Et donc, pour revenir à ce que je disais juste avant de commenter un petit peu le cheater qu'on a là, la vidéo, quand je la sortirai. Mettez un max de likes les gars, je compte sur vous, c'est pas pour vous faire de la pub, c'est pas pour vous dire ouais, vous inciter, ouais les gars, s'il vous plaît, mettez un max de likes ou quoi que ce soit. C'est juste j'ai besoin de vous et puis pour que la communauté grandit, qu'on soit encore plus, que la Team Poulpe représente le YouTube Game et qu'on soit tous là un jour peut-être si c'est possible. Déjà c'est sûr et certain, cette année j'irai à la Paris Games Week, donc pour les personnes qui s'y rendraient, eh ben j'espère qu'on pourra se voir, qu'on pourra discuter. Je serai accompagné de John normalement et puis vous inquiétez pas, on va foutre le gros dawa, on va foutre le bordel à la Paris Games Week. On va pas arriver avec le camion à faire comme Fred et Jamy dans... C'est quoi déjà? C'est Ah merde, comment ça s'appelle?
C'est pas sorcier, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est une super émission. Et si un jour je peux rencontrer Jamy, mais j'adorerais faire une vidéo avec lui et faire. Mais oui, Jamy! Et oui, Jamy! Alors, comment ça se passe en ce moment les games CSGO? Alors, oui, laissez. je pars en couille. En tout cas, voilà. Je suis en train de partir sur plein de sujets différents. En fait, la game, j'ai même pas besoin de la commenter. Moi, ça me fait rire de voir ça. Et honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux même pas réfléchir et me dire, ouais, le gars, il a un wallhack. Est-ce qu'il a un speed de machin? Je sais pas quoi. Je peux pas. C'est sûr et certain que je vais tout lui mettre. Et là, instant ban. Allez, salut, tu dégages quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que là, je pars sur un petit peu plein de sujets différents. Et je parle beaucoup aussi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je parle beaucoup. En tout cas, voilà, je serai présent là à Paris Games Week. Ce mois-ci, il va y avoir une grosse vidéo que je vais travailler, j'ai écrit un texte. Il va y avoir peut-être quelque chose... Enfin, j'ai pas envie de tout spoil, à vous de voir. En tout cas, ce mois-ci, eh ben, il va y avoir une grosse vidéo que je vais essayer de... je vais sortir dans tous les cas. Voilà, bah c'est un petit peu les news en fait. C'est ça que j'aime bien en fait aussi avec les CSGO Overwatch, c'est que je peux rigoler, je peux voir un cheater. En même temps, des fois, bah, je ne tombe pas forcément sur un gros cheater, mais c'est ça en fait. C'est comme je dis à chaque fois et je me répète. C'est comme une FAQ. Je vous parle directement, il n'y a pas de questions quoi que ce soit. Mais je pense que peut-être un jour je ferai une FAQ, mais au moins ça me permet directement de vous parler en face, de vous dire voilà, moi j'ai ça de prévu, je vais faire ça, etc. ce mois-ci. Par exemple là la petite nouveauté que je vais vous dire, bah voilà, je vais aller à la Paris Games Week avec John, normalement ça devrait se faire. Et j'espère que vous avez pas vomir devant votre écran les gars, parce que moi honnêtement j'ose même pas regarder. Ouais, j'ose même pas regarder la vidéo quoi. Heureusement que j'ai mangé, heureusement que je porte pas de lunettes. Je sais pas si quand on porte des lunettes vraiment ça donne envie de vomir quand on regarde un truc comme ça. Enfin bref, je suis parti sur tous les sujets inimaginables dans cette vidéo. En tout cas, les gars, en tout cas, mes petits poulpes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. on n'a pas pu vraiment trop commenter cette vidéo parce que dans tous les cas, bah, il va y avoir une preuve irréfutable partout. Sur ce, les gars, c'était Shadimus. Passez une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Overwatch. Ciao!